ça ne ressemble vraiment à rien. Moi, j'avais demandé quelque chose de... Voilà, une belle forêt, assez vivante, avec un envol d'oiseaux. Et... Je me retrouve avec mon fameux sapin crevé et les mouettes. Voilà, je suis dégoûté. Mutilé, pour Didier, il n'y a pas d'autre mot. Pour lui, c'est clair, son nouveau tatouage est complètement raté. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous aspire? C'est de la merde, excusez-moi, mais y a rien d'autre, ça saurait aspirer personne. J'essaye d'en rire, j'essaye vraiment de le prendre avec beaucoup d'humour, mais c'est très difficile. Premièrement, parce que je sais très bien qu'au final, je n'aurai jamais le résultat voulu. Deuxièmement, parce que j'ai des séquelles d'épaississement de la peau, là où elle a tatoué trop profond. Donc finalement, je suis marqué à vie. C'est complètement raté, voilà, il faut s'avouer, quand on parle du modèle initial et qu'on voit le modèle réel, c'est complètement raté, quoi. La tatoueuse a accepté de se défendre face à notre caméra. Très affectée par ce qu'elle a pu lire sur elle dans les médias, elle estime n'avoir rien à se reprocher.